Depuis 4 ans, je le suis quand même intensément, presque tous les jours. Et j'essaie de faire le tour du quartier au quotidien pour essayer de ramasser ses œuvres qu'il gère, qu'il expose, et essayer de le voir, de savoir comment il va et tout. Parce que tout le temps, j'ai un peu peur aussi pour lui. Parce qu'il déambule trop sur la corniche, il aime bien traverser ses routes. Cette route qui est hyper dangereuse et tout. Donc tout le temps, et récemment, je suis parti, il avait un accident. Et il y a pas mal de fois aussi où je l'enregistre, je le filme, tu vois, pour essayer de décortiquer un peu ce qu'il dit ou bien ce qui est dans sa tête. Mais j'arrive pas jusqu'à présent, j'ai que mon interprétation à faire. Parce que lui, il est spontané. Parce que les autres tableaux, les autres œuvres que les autres y font, ils ont des titres. Ils racontent une histoire. Ça raconte des histoires. Mais que tu dois imaginer toi-même, parce que le gars, il ne te parle pas de son travail, tu vois. Donc, voilà. Mais il m'a beaucoup appris dans l'art aussi. Il m'a beaucoup appris. Et pour moi, c'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on fait à ce moment. Tu vois, et de tout ce combat qu'on veut mener sur les élitistes qui sont là juste pour une couche, une seule partie de la population, tu vois. Donc déjà, nous, on est en train de contraindre ça et tout. Et le fait qu'il soit itinérant aussi. Et avec les expos itinérants qu'on fait, tu vois. Et en plus aussi, on a un musée à ciel ouvert ici avec du street art. En fait, la Médina a été créée en 1914 et nous, nos grands-parents, ils habitaient au plateau. C'était pendant la colonisation, pendant l'Afrique occidentale française. Donc du coup, ils ne voulaient pas cohabiter avec la population noire. Ils avaient besoin de gagner du terrain à Dakar, quoi. Ils ont commencé à partir de 1902 le processus de décentraliser les autres, mais ils ont résisté pendant 12 ans. Et en 1914, ils ont dit qu'il y a eu une épidémie de peste et que c'est les Noirs qui ont amené ça là-bas. Et du coup, ils ont décentralisé toute cette population indigène qui était au plateau vers la Médina. Et à ce moment, les gens ils voulaient se révolter. En fait. La population noire voulait faire des émeutes. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu un grand marabout qui s'appelle Elhadj Malixi, un marabout des Tidjanes. C'est lui qui est venu dans le quartier et qui a baptisé la Médina Médina en faisant illusion du prophète paix salut sur lui. Quand il a été rejeté de Mecque,
pour la première fois. Il a été accueilli à Médine. C'est là où il est resté 10 ans avant de repartir à la Mecque. Donc la Médina, c'est une terre d'accueil. C'est vraiment, en fait, tu vois, un patrimoine national. Et le fait qu'on soit né ici avec toutes ces ethnies confondues avec qui on a côtoyé, et le fait que Doudou Ndiaye, Coumba Rose, Youssou N'Dour, tous ces plus grands artistes qui sont là, tu vois, Blaise Diagne qui est enterré ici, Cheikh Anta Diop, il a habité ici aussi, Pierre Atepa Goudjabi, il a habité ici aussi, à un moment, tu vois. Donc pour nous ici, c'est vraiment un patrimoine et c'est un truc à préserver. Que la Médina, c'est 2,5 km. C'est à partir de la RTS jusqu'à la mosquée Omarienne et du mosquée Omarienne jusqu'au village artisanal de Soumbidjoun et du village artisanal de Soumbidjoun jusqu'à la place de l'Obélisque et de l'Obélisque jusqu'à la RTS. C'est tout ce tour-là que Pape Diop y fait au quotidien, tous les jours, pour peindre et laisser sa signature. Donc le travail de Pape Diop et la Médina, c'est vice-versa, c'est le même travail et tout. Et en même temps aussi, le fait qu'il dessine tous ces marabouts, en sachant que toutes les confréries sont présentes dans le quartier. Parce qu'il y a beaucoup de mosquées, à ce moment, il est 14h, tu vas entendre beaucoup d'appels de la prière. Tu vois, parce que chaque confrérie a sa propre mosquée. Donc pour moi, c'est très très cool, quoi, tu vois. C'est très très cool, que vraiment. Pape Diop, pour moi, c'est la découverte du siècle. Et le temps file, le temps marche, erre, remet à demain ce qu'il peut faire. Aujourd'hui écrit, Inch'Allah, dank dank, est le leitmotiv de la société paisible qui tient à récolter la patience, les graines de la sérénité. Dank dank abuse des ailes du temps, tout en se plaignant de son vent artificiel. Dank dank aime ses cocotiers, ses fruits, ses arbres et tient à attraper les singes dans un lieu désertique sans arbres. Les bêtes de somme de la société capitaliste revivent un instant dans le royaume de l'enfance, dans les hôtels de Nank Nank, se réjouissent de leur récréation, contemplent le soleil en plein mois de décembre et récoltent deux étés. Nank Nank déconstruit le temps, le déshabille, le dérivilise, l'incite à prier, à se recocovier, à faire des révérences à la tranquillité de l'âme. Dank Dank prend des calèches pour faire des courses, demande au temps de s'arrêter, dresse des feux, crée même des gendarmeries pour arrêter l'horloge dans les stations du temps
qui clignotent comme des néons au rythme du détournement des deniers publics. À la fin du mois, le temps s'habille, va séduire en usant de ses mots les dettes et les devoirs de père de famille. Le temps s'arrête ici, il consulte le marabout, les devins, les sorciers, les guérisseurs, fait des sacrifices, va avec toutes les économies de la maison à la Mecque.
J'ai connu des fleuves vieux comme le monde et plus vieux que le flux du sang humain dans les veines des hommes. Mon âme est devenue profonde comme les fleuves. Je me suis baigné dans l'Euphrate quand la lumière était jeune encore. J'ai bâti ma cabane près du Congo et il a bercé mon sommeil. J'ai contemplé le Nil et j'ai élevé les pyramides sur ses bords. J'ai entendu le chant du Mississippi au temps où Abbé Lincoln le descendait jusqu'à la Nouvelle-Orléans et j'ai vu ses flambeaux se dorer au couchant. J'ai connu des fleuves, de vieux sombres fleuves. Mon âme est devenue profonde comme les fleuves. J'ai probablement changé quelques mots le lendemain et j'ai dû barrer un vers ou deux, mais en général, je retouche peu mes poèmes. Les deux ou trois premiers vers jaillissent généralement d'une chose à laquelle je pense, que je regarde ou que je suis en train de faire, et le reste du poème suit tout naturellement. Si à ce moment-là je peux écrire le poème, je le fais immédiatement. Sinon, je tâche de me le rappeler jusqu'au moment où je peux me procurer un crayon et du papier. Car les poèmes sont comme les arcs-en-ciel, ils s'évanouissent facilement. Non, 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 non